22 avril, nous avons eu le grand plaisir de participer à l'inauguration d'une fresque dans Brignoles. C'est la première fois que cela se produit. Et vous pouvez un petit peu nous dire quelques mots au sujet de la réalisation du pourquoi et du comment de cette fresque. Alors, j'ai fait un rêve, si je veux dire, que sur ce mur qui était borgne, on y fasse un trompe-l'œil. À l'origine, je ne pensais pas à ce qu'on réalise cette fresque telle qu'elle a été faite. C'était simplement une idée. J'ai eu le plaisir donc de rencontrer les adjoints, monsieur le maire et autres, et je lui ai exposé mon projet, mon idée plutôt, afin qu'on puisse faire quelque chose. Et il m'a donné carte blanche, à charge par mois, de faire un projet, le chiffrer, et ainsi de suite, et l'accord des propriétaires pour pouvoir la réaliser. Je suis parti du principe qu'elle est faite à la gloire de Brignoles, et j'ai voulu faire participer Mistral. Parce que Mistral, dans Calendal, dit « Entre ces vertes montagnoles, pays la ligne va qui Brignoles. Entre ces vertes montagnes, par le loin, voici Brignoles. » Donc cette fresque a été faite à la gloire de Brignoles, et on y a ajouté le 150e anniversaire de la création du Félibrige et le 100e anniversaire de l'obtention du prix Nobel de Frédéric Mistral. Tout ceci devait se réaliser en 2004. Il y avait déjà précédemment, sur cette façade, la célébration du centenaire de la sortie de Mireille, donc en 1860, témoignage qui avait été fait à l'initiative de M. Anissé Roux, professeur au lycée Rénois, et fresque qui a été faite par souscription, célébration qui a été faite par souscription publique. Et on a donc voulu le conserver, ce qui fait que on a déplacé les éléments, disons, de cette fresque, autrement dit le portrait de Mistral, les vers de Mireille, on les a déplacés sur la partie gauche de la fresque, en y ajoutant Mistral en pied et le portrait d'une Arlésienne, en l'occurrence le portrait de Mireille. Mais on a voulu rester, si vous voulez, dans la configuration de Brignoles, cité des Comtes de Provence, donc avec les escaliers blancs, les escaliers rouges, la chapelle et surtout ce qui est la marque de Brignoles, donc le clocher, Notre-Dame d'Espérance et Candelon. On y a voulu y ajouter aussi ce qui fait la renommée malgré tout de Brignoles, les tambourinaires de Saint-Simeon qui se sont produits, qui continuent à se produire dans l'Europe entière. Groupe qui a été créé par le docteur Pierre Rochas avec sa mère en 1942. L'artiste nous a fait parvenir son projet qui était moins 10 ans et moins beau, qui ne représentait pas ce que finalement il a réalisé. Ça a été un peu long à réaliser parce qu'il y a eu quand même une procédure relativement un peu longue, mais de partout, quand vous réalisez quelque chose, vous êtes obligé de prendre. Il y a un certain délai qui se passe entre le moment où on prend la décision et au moment où cela se fait. Je tiens à remercier particulièrement donc Monsieur le maire, mais surtout l'ensemble de la municipalité, adjoints, conseillers et autres, qui ont voté à l'unanimité les crédits en vue de réaliser cette fresque et n'engagne-lui, autrement dit en trompe-l'œil. Le travail de l'artiste a été rendu relativement pénible, parce que quand il a commencé, quand il a eu l'autorisation, le chauffage était mis en place, je crois, fin octobre, mois de novembre, il a commencé à pleuvoir, après il y a eu de l'humidité, et en décembre et janvier, il faisait excessivement froid, ce qui fait que même la peinture gelait dans les gobelets. Et il a malgré tout réussi à réaliser cette fresque qui est, comme disait Rebaud dans son petit propos, elle est merveilleuse et michelangelesque. Vaquis tout ce que vous dit, le père qu'elle présentation, et Enkanko, Gramassi et Brignolin accepta de réaliser à quelle fresque. Amen. Eh bien, Paul, grand merci.
l'école. Bon, Mistral en a écrit le poème et il a existé le tambour d'Arcole, c'était un vrai Étienne de Cadenet, et il va mourir à Paris. Mais Mistral, dans son poème, le fait mourir, soi-disant, quand il arrive devant le Panthéon, qui voit au-dessus du Panthéon ce tambour, il dit « Mais c'est moi que l'on a mis là !» Et il fait le geste de battre le tambour, il tombe à la renverse et meurt. Ça, c'est la version Mistral. « Tout les peuples tiennent et ont toujours tenu à sa langue naturelle. Parce que dit la langue, c'est molle, c'est très lucide, le caractère excret de la race qui la parle. Une langue, en un mot, elle le retrait de tout un peuple. Elle est la Bible de son histoire, le monument vivant de sa personnalité. Frédéric Mistral. Alors, je vous la traduis en français. Tous les peuples tiennent et ont toujours tenu à leur langue naturelle. Parce que dans la langue s'incarne et resplendit le caractère intime de la race qui la parle. Une langue en un mot est le portrait de tout un peuple. C'est la Bible de son histoire, le monument vivant de sa personnalité. Conférence faite au Cercle artistique de Marseille en novembre 1882. Frédéric Mistral est né le 8 septembre 1830 à Mayenne, au mât du juge. En 1855, à la mort de son père, avec sa mère, il vient habiter au village, la maison du Lézard. Ensuite, il fait construire en face, en 1876, cette maison où il viendra habiter avec sa femme. Mistral n'ayant pas eu d'héritier, à sa mort, cette maison est devenue un musée. On l'appelle la maison du poète. Alors, Mistral publie Mireille en 1859. C'est un poème où il dépeint la vie de la terre, la vie qui se passe dans un mas. Mireille est la fille d'un riche propriétaire qui tombe amoureuse d'un vanier. À cette époque-là, les mésalliances n'étaient pas acceptées. Son père ne veut pas du mariage. Mireille fait un vœu d'aller au Sainte pour qu'elle soit exaucée. Mais elle part et à travers la croix, elle attrape une insolation parce qu'elle avait oublié son chapeau. En arrivant au Sainte, elle y meurt. Mireille est connue dans le monde entier. Pourquoi ? Parce que un jour, Alexandre Dumas vient à Mayenne voir Mistral. Et en parlant, Mistral lui fait voir son poème Mireille. Il lui dit c'est quelque chose de magnifique. Il rentre à Paris et il en parle à Lamartine. Lamartine dit « Amenez-moi ce jeune poète, je veux le connaître ». Mistral monte à Paris, offre Mireille à Lamartine et Lamartine le fait connaître dans les milieux littéraires parisiens. Il faut dire que les œuvres de Mistral sont traduites pratiquement dans toutes les langues. Alors, Mistral après publie « Calenda », c'est l'histoire d'un petit pêcheur d'anchois de Cassis qui, pour séduire sa belle, fait tout un tas de prouesses. Il part à travers le Var et là, il traverse justement la vallée du Gapo où, dans Calendal, il parle de Signes, Méhoun, La Roquebrussane et Brignoles. Et justement, les vers sur Brignoles sont sur le fronton de la mairie de Brignoles. Alors, Mistral se réunissait avec des amis poètes à Fonsegugne et un jour, il décide pour reconnaître la langue provençale, il décide de créer le Félibrige le 21 mai 1854 avec 7 poètes. Les poètes qui étaient avec Mistral, on les a appelés les primadiers. C'était Paul Gériat, qui était le propriétaire du château de Fonsegugne. Alors bien sûr, en présence de Mistral, de Joseph Roumanille, que l'on a appelé le père du Félibrige, Théodore Banel, Alphonse Tavant, qui était du Cru, Jean Brunet et Anselme Mathieu.
En 1855, Mistral dit qu'il faudrait créer un almanach, mais quelque chose qui soit accessible à tout le monde. Parce que Mistral a toujours dit « Esper Walter Pastre, au gène des masques écrivains ». Alors il dit qu'il ne faut pas quelque chose d'élevé, de la poésie, il faut de la prose. Et avec Roumani et Aubanel, il crée l'almanach provençal, qui paraît une fois par an. Le premier a paru en 1855, et depuis cet almanach paraît, puisque en 2004, vous l'avez encore dans la vitrine, Mistral fait ensuite le Trésor de Félibrige. C'est un dictionnaire provençal français où vous trouvez différents dialectes. Il lui a fallu 20 ans pour écrire ce dictionnaire. En 1904, Mistral obtient le prix Nobel de littérature. Avec cet argent, il achète un immeuble à Arles où il crée le Muséum Arlatin, où là, où vous trouvez tous les trésors de la Provence, que ce soit en outillage, en costume, en coutume, vous trouvez tout ce qu'il faut. Ça tient un grand immeuble. Hein. Il était de coutume à la naissance de présenter les vœux au nouveau-né. Alors, une dame présentait un morceau de pain et disait « Buon comme le pain, bon comme le pain ». Une pincée de sel, « San comme la sal », c'est-à-dire « son, sain de corps et d'esprit ». Un œuf, « plein comme une eau », c'est-à-dire « plein de bienfaits, de bonheur ». Et une allumette, on disait « Droit comme une brouquette », c'est-à-dire « droit comme une allumette dans la vie ». Voilà. Mistral a obtenu différents prix, mais il n'a jamais gardé l'argent des prix pour lui-même. Il disait « cet argent doit aller à la Provence ». Notamment, c'est pour ça qu'il a créé le Muséum en latin. Mais en 1891, il obtient aussi un prix et il crée un journal, L'Aïole, qui paraît de 1891 à 1899. La coupe. En 1867, les félibres catalans offrirent aux félibres provençaux une coupe en argent pour les remercier de l'accueil qu'ils avaient réservé au poète en exil Victor Balaguer. Le capoulier du Félibrige est par tradition le détenteur de cette coupe qui donna lieu de la part de Mistral à la composition d'un hymne à sept couplets, la coupe qui est devenue l'hymne du Félibrige. En 1876, les statuts du Félibrige sont déposés. Comme dans toute association, il y a un bureau qui est formé, on appelle ça le consistory. Il y a un président que nous appelons le capoulier. Alors Mistral a été le premier capoulier et vous avez ici les photos de tous les capouliers qui ont succédé à Mistral. Et le dernier est Pierre Fabre, notre capoulier actuel. En 1876, Mistral crée le majoralat. Les majoraux, comme à l'Académie française, sont nommés à vie. Ils se trouvent au nombre de 50. Chaque majoral porte une cigale d'or. En 1909, fut érigée à Arles une statue en l'honneur de Mistral. Cela l'a un peu contrarié de son vivant que l'on dresse une statue. Lorsqu'ils l'ont dévoilé, qu'il s'est vu, il a dit « Il ne me manque plus que la valise, on dirait que je vais prendre le train ». Et ensuite, il a ajouté « Mais les gens d'Arles, quand ils me verront dans la rue, ils diront « Tiens, la statue, l'homme de bronze qui est descendu de son piédestal ».